écoutez Coé, c'est bien, le voir, c'est mieux. Mon amour. Ouais, mon cœur. Oui, oui, ça comment va. Tu appelles un inconnu? Ben, parce que je téléphone du travail et ils veulent pas qu'on monte le numéro. Oh, tu bandes de con. Ouais. Ouais, et c'est bien, mon cœur. Dis, il fallait que je te parle. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, la dernière fois que j'ai mangé chez toi, tu sais qu'il n'y avait pas tes parents. Ouais. Tu sais, j'ai voulu rentrer tôt parce que j'étais fatiguée. Ouais. Mais en fait, je suis allée voir Antoine. Attends, parle de quoi? Mais je suis allée voir Antoine, c'est mon ex. Qui, un... Quoi, l'autre fils de pute, là? Oui. Mais t'énerve pas. Attends, tu rigoles, Obé. Non, non, je suis allée le voir. Bah... Et attends, tu me dis ça comme ça, tu te... Comme ça, naturel, en détente. Hein? Bah oui, bah... Tu crois quoi? Tu crois... Il te manquait... Il te manquait, ouais, c'est bien, il te manquait. Attends. Attends, tu as entendu ou pas? Jean-Philippe, ouais. Tu entends cette cachette ou quoi? Pas, tu me prends vraiment pour un con, là tu es en train de blaguer, arrête. Dis que c'est une connerie. Prends pas pour un con. Non. Mais en même temps, c'est ta faute. Si t'étais pas devenu gros, j'irais pas voir ailleurs, hein. Si j'étais pas devenu gros, mais tu as vu tes cuisses oui. Ou quoi? Tu as vu tes cuisses ou quoi? C'est mal mes cuisses. Oh, qu'est-ce que tu veux? Tu as vu tes cuisses ou quoi? On dirait, tu passes plus dans les portes bientôt, arrête. Qu'est-ce que tu viens me parler? Tu vas voir l'autre fils de pute là, de parisien de merde, parce que c'est cette race. Et tu viens me dire, moi j'ai grossi. Ah, elle va te taper le bâton qu'il est, oh. Vas-y, c'est un maigrichon. Et un coup de mistral, il s'envole. Oh, il faut s'arrêter, oh, français de merde que vous êtes. Toi et lui, vous êtes des français de merde, vous êtes. Tout ce que vous êtes, hein. Ouais, mais en même temps, lui, c'est le seul qui arrive à me faire jouir, hein. Ah, oh putain, c'est vrai. Pourtant, putain, la dernière fois, c'est pas ce que tu m'as dit, hein. Tu étais en train de hurler comme une malade, pourtant. Je t'ai bien donné du plaisir, hein. Putain, tu te rappelles? Dans la cuisine et tout. Non, tu te rappelles pas, ça. C'est oui, mais en hein, même temps. Tu sais, je suis une fille, ça simule facilement. Ça simule facilement, ouais, c'est vrai. De toute façon, moi, j'ai... Tu veux que je dise franchement? Tu m'as toujours gonflé, en fait. Tu vois, ton petit putain d'accent marseillais de merde, là. Dans la mentalité de Gaulois. Tu vois, j'ai jamais supporté les Français comme toi, en fait. Je sais même pas pourquoi je suis resté 2 ans avec toi. Tu vois, sans rire. Mais mon cœur. Tu vois, maintenant, je réalise vraiment, en fait. Tu vois, je réalise vraiment que tu es une cloche. Et que tu es bien avec ce fils de pute. Et tu vois, là, je suis avec Jean-Philippe. On va passer à la maison, je prends le fusil et je vais régler l'histoire. De suite. Tu vois, je vais aller le voir. Bon. Je vais lui éclater la tête à coup de crosse. Et ensuite, je vais lui tirer une cartouche dans la jambe. Petit à petit, tu vois, faut bien le faire souffrir. Et après, tu vois, je vais venir te voir et on va régler l'histoire face à face. C'est bon ou pas? Mais bébé, c'est pas ta faute, c'est une petite bite, hein. Ah, en plus j'ai une petite bite, ça c'est pas ma faute. Toi, tu es presque tu es un planche à pain. Qu'est-ce que tu viens me parler? Pour l'instant, mon cas, c'est... Tu vois, pour l'instant, mon cas, c'est... Aux autres femmes, il leur suffit, hein. Largement. Hein. Ils vont jamais dire ça. Toi, tu arrives, tu... Mais... Attends, tu es une malade, tu es une grande folle. Tu me prends pour un con, quoi. Sérieux. En fait, tu es une triso. Tu es une mongolienne de base. En fait, j'ai compris pourquoi Antoine, il t'a fait cocu. Il a eu raison. Parce que tu es une grosse cloche, tu es une connasse de base. En fait, ouais, j'aurais dû tromper plus d'une fois. Une fois, ça n'a pas suffi de te tromper. J'aurais dû tromper plus d'une fois. Eh oui, je t'ai trompé, tu vois. Parce que toi non plus, tu ne me donnes pas assez de plaisir. Tu vois, tu ne sers à rien. Tu sers à rien. Hein. Tu sais même pas faire à manger. Tu vois, tu sais rien faire. Je sais. Tu sais pas faire à manger. Tu sais rien faire. Tu sais rien faire. Et en plus, tu rigoles. Mais tu enfin, sérieux, il n'y a pas de souci. Je vais aller avec Gentil, on va lui éclater les dents maintenant. À Terrabelle, on va monter chez où il habite et je vais niquer lui et sa mère. C'est bon ou pas? Ça sert à rien, ça dit que j'étais cloche. Ah mais comme ça, moi j'ai fait l'histoire. Y'a pas de soucis. Antoine, il en a une plus grosse et elle me manquait la sienne en fait. Il en a une beaucoup plus grosse que toi et elle me manquait. Oui. Ah, elle te manquait. Ah, mais au moins c'est tout ce qu'il a de gros, hein, parce que bon, même pas les couilles, il les a assez grosses, fils de pute là. Mais attends, y a pas de souci. Je vais venir maintenant, je vais aller lui niquer sa race. Tu as dit à ton téléphone. Là. T'es au téléphone, je te laisse. T'es au téléphone. C'est qui derrière? Mais j'ai pas vu que t'étais au téléphone. C'est qui derrière? C'est personne. C'est qui derrière? Personne. Arrête. C'est qui derrière? Dis pas que je suis là. C'est personne. C'est qui derrière? Enfin, t'énerves. C'est qui derrière? Antoine. Ou au travail? Attends, y'a pas de soucis, je débarque. Attends, je viens. C'est bon, y'a pas de soucis. Attends, je suis en voiture, là, j'arrive. Demande-lui comment ça va. Hé, comment ça va? Commence pas. Qu'est-ce que tu veux, fils de pute? Ça va, hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça va, oh bâtard? Ta mère, c'est une chienne, enculé. Comme vous êtes. Toi, nos fils de pute. Comme vous êtes, coco. Babin? Babin? En plus, il fait le corps, ce fils de pute. On rentre chez Zadim, merde, qui est tout zéro loukaise. Oh bâtard. Tu sais ce que tu es? Tu es un fils de pute.
Ta mère s'est tronchée partout Portiche. Qui c'est que, pardon, pas partout Portiche. Ah, c'est vrai, partout t'as joué aussi, j'avais oublié. Et t'as oublié tout Guizonach aussi. Y a pas de soucis, même tout Guizonach. Voilà. Tout Corté, tout Guizonach, tout le monde. Je vais t'éclater. Je vais t'éclater au bas. Mais ça sert à rien, je suis pas sur le continent. Je suis pas sur la Corse, je suis pas en Corse, je suis sur le continent. Ouais, tu es sur le continent, et bizarrement, ouais, tu es sur le continent, mais tu es avec ma femme au PD, enfin mon ancienne copine, tu vois, au bas. Mais tu vois bien que je suis pas PD parce que j'ai avec ta femme. Ouais, mais y a pas de soucis, tu vas le finir, PD. Mais je suis. Mais je suis à Paris, je suis à Paris là. À Paris. Oui. Je suis rue Boileau. T'as rue de Gaulois. Je suis. Pas les couilles. Je suis. Paris, je suis. Ouais. Je suis. Ça va pas être facile. Couilles. Je m'appelle Coé. Ah. Ça change. Ah. Dis comme ça. Ah. Alors, tu ouvres le fusil. Tu sors les cartouches à sanglier. Voilà. Tu mets de l'amour dedans. Voilà. Tu arrêtes parce que c'est une vanne et on est sur énergie dans toute la France. Comment ça va, Christophe? Ça va super bien. Ça peut aller mieux maintenant. Ah, dis-moi. Alors, évidemment, nous, c'était une vanne. Mais quand tu disais que tu l'avais trompé, c'était une vanne aussi, hein? Ouais, alors comme ça, tu m'as fait cocu. Mais non, c'était une vanne. Je t'ai fait cocu, oui, je t'ai trompé avec Jean-Phi. Ah ouais, mais ça compte pas. À Jean-Phi, ça compte pas, c'est un ami. Moi c'est pareil, quand je le fais avec Jeff, on se dit que ça compte pas. Non, et on le fait souvent pourtant. Voilà, je te fais un bisou. Qu'est-ce qu'il gagne, Julie? Un iPad mini, si c'est le meilleur jeu de la semaine. Il va à l'avant-première du Hobbit à Berlin. Ah c'est bon ça, je vous fais des bisous. Puis alors vous allez voir en plus, Ajaccio-Berlin au niveau climat, c'est la même chose. Tu m'étonnes. Je vous embrasse, à bientôt. Ça Christophe va, merci beaucoup, merci. Ciao mon gars, bisous Laura. Mais non, elle n'est pas cocu, il a dit ça sous l'énervement. Bien enfin, sûr, mais évidemment Laura, elle était énervée, elle le sait. Arrête, non, elle le sait. Voici Global DJs sur Énergie. Merci d'être super nombreux avec nous. C'est un truc de ouf, ça dort ça. Retrouvez toutes les vidéos sur le Facebook de Koé.